pour couper finalement encore une fois le momentum de Los Angeles Lakers, qui sont obligés de s'y reprendre à plusieurs points. Et là par contre, c'est impeccable. Shot sismique, il est parfait. Dreamer qui surprend l'équipe des Paris Eternal. Et là, bonne chance. Et les Fred Amis vont en profiter en allant chercher l'agression. Ouais, c'est pas mal, on a quand même utilisé des ressources du côté de Florida Mayhem, notamment ce surchargeur pour contrer les velléités offensives des Atlanta Arena. Et derrière, ça déroule et la cloche qui retentit. C'est très bien, il suffit qu'il y ait un mur du son qui soit impeccable ou un clic droit qui soit fabuleux pour changer la donne. Par contre, et en termes de poke, là, Karim. Oh là là. Oh, Karim. L'assassin. Il régale, là. Zenyatta, le triplé. Pas loin du quadruplé. Et ça va être fait. Babouche dans la bouche. Rascal ici, et que ce mental qui va être lâché justement de la part de Jackson. Le canon saut du super ici qui va complètement annihiler le mur du son qui a été lancé de la part de Rain, complètement annulé. Et derrière Rain qui s'est récupéré par Violet. C'est dramatique, voilà. C'est dramatique. Il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose côté Los Angeles Valiant, ça ne fonctionne pas. Piraté qui est debuff, Chester qui va tomber alors qu'il était en rage pendant elle, il s'est fait littéralement oblitérer. Void qui va perdre son mecha ici, Charles qui va revenir et qui lui est d'abord en pendant quelques instants. Superbe grenade d'Isayaki encore. Quel enfer. Fleta de retour sur une fatale qui va faire un doublé, le triple headshot, le quadruple headshot de Fleta qui vient achever les espoirs de Séoul Dynasty et il retournera au spawn pour récupérer Saeko.